لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الشيخ زلاف bienvenue sur ma chaîne mon prof à distance donc dans cette cinquième partie de notre leçon théorème de Pythagore on va voir les exercices la page 118

les, ex les exercices de la page 116 hein, et les exercices de la page 117. Dans la partie 3 et la partie 4. La partie 3, on a vu les exercices de la page 116. La partie 4, les exercices de la page 117. Maintenant, on va traiter les exercices de la page 118. Donc euh, voici notre page 118. Donc ce sont des exercices... Euh, d'approfondissement donc euh, ce qui mérite un grand effort hein? mais qui sont des exercices très importants il y a aussi des problèmes ouverts hein? donc c'est ça ce qu'on va voir dans cette vidéo mais toujours je vous conseille

18. On a EFG est un triangle équilatéral. EFG. Voilà notre triangle équilatéral. Donc, voilà. Quoi encore H, le symétrique de F par rapport à G. H, symétrique de F par rapport à G. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que G, milieu de FH. J'ai le milieu, le montage de FH. Euh, par, euh, donc, montrer que EH au carré, EH, le côté EH au carré, voilà EH, le côté EH, la longueur de EH au carré est égale à 3EF au carré. EH au carré, 3EF au carré. Donc, ici, on va utiliser euh, le. La, la leçon, bien les résultats de la leçon Triangle, rectangle et cercle Et, quoi encore Et le théorème de Pythagore Donc, Radine Sem, le il y les propriétés Donc, <coughs> qu'est-ce qu'on va dire d'abord On va dire que euh, On va d'abord montrer que EFH est un triangle rectangle en E Radine Bihil, bien elle a le triangle EFH est rectangle en E Comment Regardez donc euh, on a GE est égal à GF. Ou bien on va dire que EFG euh, e est un triangle équilatéral. Donc je peux dire que GE est égal à G. Ou alors mal, voilà, on dit EF est égal à EG est égal à FG. Mais moi, je veux seulement analyser où on a EG GF. Donc, je vais écrire, on a EFG. Et un triangle équilatéral. 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 Donc, je peux conclure que EG est égal à GF. Ou bien GE est égal à GF. Donc, GE est égal à GF. Je vais noter ça, le résultat numéro 1. Ah, ouais, le résultat numéro 1. Quoi encore On a <coughs> H symétrique de F par rapport à G. Donc je peux dire que G milieu de FH. Donc je peux dire H, y hey, A. Yeah, H. Symétrique de F par rapport. à G. Donc je peux dire que <coughs> j'ai milieu j'ai milieu de FH donc j'ai milieu de FH donc quoi encore donc euh, GF est égal à GH. GF égal à GH. Le résultat numéro 2. GF est égal à GH. Donc, euh, regardez. Donc je vais, je vais dire que on a un triangle EFG. EFH. Euh, dans le triangle EFH, qu'est-ce qu'on a? On a G milieu de FH et G et équidistant des sommets de ce triangle. Et les sommets. Donc, parce que GE, on peut dire que GE à GF à GH. Vous Donc, euh, je peux dire, donc, mon de 1 et 2, de 1 et 2, on a GE, GF égale GE, je peux déduire. Donc, on dit oui, GE, GF égale à GH. GE, GF, GH. Vous voyez, donc, euh, qu'est-ce qu'on va dire dans le triangle EFH dans le triangle euh, FH, qu'est-ce qu'on a On va dire G milieu. Hein, donc tu les conditions. Il y la propriété à de conclure. G milieu de d'un côté FH. Elle dit c'est une propriété. Elle G milieu ou G il est équidistant des extrémités. Où elle dit et G E égal à GF on, a, on vient de montrer had les résultats d'abord G milieu L FH où G il est équidistant de ce sommet on peut déduire donc on déduit quoi que EFH est un triangle rectangle en E donc EFH est un Triangle rectangle en E. Donc, puisque c'est un triangle rectangle en E, alors je peux appliquer le théorème de Pythagore. Donc, je peux écrire, d'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on aura On aura, regardez, je vais écrire EH. EH au carré. Hada, ou l'hypotinus, ou FH ou à où les côtés EH et F, on a les côtés du L de, de, de l'angle droit. Donc je peux écrire FH ou bien EH -E au carré. FH, EH au carré, c'est FH au carré, l'hypoténuse au carré. Ce n'est pas plus, hein? maintenant moins EF au carré. EF au carré. Mais faites attention ici, regardez, FH, c'est quoi FH Regardez bien, FH, c'est deux fois FG ou bien deux fois GH. Pourquoi Parce que G, c'est le milieu de FH. Donc FH, je vais remplacer FH, radino, non FH, deux fois FG. Regardez, deux FG au carré. Moins EF au carré. Mais n'oubliez pas que FG, c'est quoi FG FG est égal à EF. Donc là, on avons dit ça. a, avons avant avant, écrire ça, regardez. on a On a FH, on que tu a FH égale à 2 FG. Pourquoi? Parce que j'ai le milieu de FH. Mais. Viens. Quoi encore? Mais FG égale à EF. N'oubliez pas que le triangle EFG, c'est un triangle euh, équilatéral. Et on a aussi que FG FG égale à EF. FG égale à EF. Radin que parenthèse, EFG équilatéral. EFG équilatéral. Triangle équilatéral. Vous savez Voilà. Parce que le, tous les côtés, à des côtés, ils sont tous de même longueur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va remplacer, regardez. Donc, h Ratouli. Ratouli 2EF. Quand on dit FH, il y a 2FG. OFG, 4 EF. Donc, FH Ratouli 2EF. D'où, radimpse. Donc, maintenant, EH au carré. Ça va être quoi maintenant Ratouli Donc, Ratouli FH. Alors, il y a 2 fois EF. Il y a 2 fois FG ou FG, il y a EF. Donc, radiative 2EF au carré moins EF au carré. 2EF au carré, c'est quoi hein? Les puissances 4EF au carré. Moins EF au carré. Le calcul littéral. 3x au carré moins x au carré, c'est 3x au carré. Donc, ça va donner combien Ça va donner 3ef au carré. Tout simplement, on passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 20, ABC est un triangle isocèle en A. Donc, ABC. Soit AH la hauteur issue de A hein, et D le symétrique de B par rapport à AC. Montrez que AD au carré, voilà AD, voilà AD, AD au carré égal à 2 BC au carré plus AC au carré. Donc euh, on va Considérer d'abord le triangle ADH. Donc regardez, ADH est un triangle rectangle en H. On va dire ADH est un triangle rectangle en H. Donc d'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore de Pythagore Pythagore on a a au carré a au carré égal a a h au carré Plus dh au carré. Mais on va décomposer dh, on va écrire dc plus ch. Donc je vais remplacer dh par dc plus ch. Donc égal à ah au carré plus dc plus ch au carré. Maintenant. <coughs> En utilisant l'identité remarquable, on va écrire égal, regardez, aah au carré. Ici, on a une identité remarquable, plus dc au carré, plus 2dc fois AH fois ch, pardon, plus ch au carré. Égal, regardez bien, donc avant d'écrire la relation, je vais regarder, on a AH au carré plus CH au carré est égal à AC au carré, AH au carré plus CH au carré, parce que ACH est un triangle rectangle en H, le théorème de Pythagore, donc AH au carré plus CH au carré, on peut le remplacer par AC au carré. Plus dc au carré, plus 2dc fois ch. Regardez aussi, on a dc est égal à cb. Donc on a cdc. Donc je peux écrire on a dc égal à cb. N'oubliez pas que d, c'est le symétrique de b par rapport à c. Donc C, c'est le milieu de DB. Donc DC est égal à CB. Donc ce DC-là, je vais le remplacer encore par CB. Et euh, quoi encore? Et CH, regardez. CH, c'est la moitié de CB. CH, c'est aussi. Et CH, c'est la moitié de CB. Ou bien BC, c'est pareil. BC et CB, c'est pareil. Donc, euh, je peux... Maintenant, je vais remplacer ici. Je vais écrire AD au carré. Donc, on aura AD au carré. C'est quoi? C'est AC au carré. Regardez, DC au carré, c'est BC au carré. Plus 2 fois DC, c'est BC. Fois CA, c'est 1 demi BC. Je simplifie par 2. Et à ah, n'oubliez pas si, si c'est baissé pardon baissé donc j'aurai donc dou donc dou ou bien donc d'abord finalement on va dire dou donc AD au carré égal à quoi égal pardon donc AD au carré égale à AC au carré plus BC au carré BC fois BC c'est BC au carré encore je vais écrire BC au carré plus BC au carré donc on aura 2BC au carré regardez BC au carré plus BC au carré 2BC au carré plus AC au carré tout simplement, on passe au suivant. Donc, euh, pour ce qui concerne l'exercice 21, on a l'air de ABC est égal à 84 cm. Et AB plus AC est égal à 31 cm. Montrez que le périmètre du triangle ABC est 56 cm. Nous, on cherche le périmètre. C'est quoi le périmètre L'air, le périmètre, le périmètre. C'est quoi le, le périmètre? C'est AB plus AC plus BC, la somme des longueurs de ses côtés. Donc on a AB plus AC, mais ce qui manque c'est BC. Elle rate BC. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous? On va déterminer BC, bien sûr, et on va euh, après on va l'ajouter bien sûr à AB plus AC. Donc on a AB plus AC ou BC. Donc on va déterminer on a AB plus AC est égal à 31, regardez. AB, AB plus AC égal à 31. Donc, on enlève au carré, donc on uh, enlève au carré. AB plus AC, le tout au carré, ça va être égal à 31 au carré. Donc, ici, on va utiliser l'identité remarquable. Ab au carré plus AC au carré plus 2 fois Ab fois AC égale 31 fois 31, c'est quoi 1 fois 1, ça va, donc, donc euh, 3. Donc 3 fois 1, c'est 3. 3 fois 2, 900. 61. 900. 61. Regardez ici. On va utiliser le fait que ABC est un triangle rectangle. Donc, AB au carré plus AC au carré, ça va donner BC au carré. Donc, euh, et quoi encore On va utiliser l'air de ABC. Donc, on va écrire. On, a, on va dire que on a ABC est un triangle rectangle en A. Donc AB au carré plus AC au carré on va écrire égal à BC au carré. Quoi encore? Deuxièmement, l'air de ABC. On a l'air de l'air de ABC. C'est quoi l'air de ABC? Regardez. Euh, ABC c est un triangle rectangle. Donc, euh, donc euh, l'air de ABC, c'est AB fois AC divisé par 2. Donc, on peut dire égal à 1 demi fois ABC. 1 hein? ouais, demi AB, je m'excuse, AB fois AC. 1 demi AB fois AC égale à a 84. 1 demi, c'est-à-dire AB fois AC sur 2 est égal à 84. C'est-à-dire que on peut dire que ABC, AB multiplié par AC, ça va donner 2 fois euh, 84. C'est-à-dire 168. Donc AB fois AC, 168. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remplacer donc cette expression, faire l'expression, on va, on va remplacer AB au carré plus AC au carré par BC au carré et AB fois AC par 168. Donc, regardez. Donc, je vais écrire. Donc, Radina mmh. de AB au carré plus AC au carré. BC au carré. Aya. Plus. Deux fois. AB fois AC. a C, Deux fois 168. Égal à quatre, euh, 961. 61. Voilà. Donc, maintenant, on peut calculer BC. Hein? BC au carré.

bc au carré égale à 625 donc euh, bc au carré est 625 donc on va chercher le nombre dont le carré est 625 donc on va on va utiliser la calculatrice donc regardez donc euh, 625 on va calculer la racine carrée de 625 625 racine carrée égale à 25 donc le nombre ou bien BC c'est 25 donc euh, BC au carré ça va donner 625 tout simplement donc euh, maintenant on a calculé BC donc c'est quoi le périmètre maintenant le périmètre de du triangle ABC c'est AB plus AC plus BC nous on a AB plus AC c'est 31 donc le périmètre le périmètre, donc le périmètre de ABC, égal à quoi? Donc on va hein, additionner 31 et 25. Donc parce que c'est AB plus AC plus BC. Donc c'est AB plus AC plus BC égale à 31 plus 25. Donc 56. Donc le périmètre de ABC, c'est 56 cm. Tout simplement. On passe à la deuxième, euh, euh, à la deuxième question. Donc euh, pour ce qui concerne e la question 2, soit H, le projeté orthogonal de A sur BC, montrer que H est égal à 6,72. Donc ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser l'air. Ici, on a AH c'est la hauteur. Hein? Ici de As. Donc euh, AH fois PC divisé par 2, c'est l'air. Et, et l'air c'est 84. Donc on va, on, on, on aura une équation du de premier degré de l'inconnu AH. Donc on va dire que. L'air de, je peux écrire l'air, l'air de ABC est égal à 84. C'est ça? Et c'est quoi l'air? Je peux calculer l'air d'une autre manière, AH fois BC. Donc mon kingtu tarikahora AH fois BC sur 2 est égal à 84 cm2. Donc euh, AH x 25. 1 sur 2 égale égal à 4 fois 24. Donc euh, ici, on va multiplier 2 ici et ici par 2, ici par 2. Donc on va se débarrasser de 2 ici. Donc on aura AH fois 25 est égal à 168. Donc AH égale à 168 divisé par 25. Alors on aura 6. 72. Voilà la calculatrice. On a 168 divisé par 25 égale à 6,72. Donc c'est bien le résultat. centimètre, bien sûr. Qu'est-ce qui manque Il manque maintenant. Il reste CH, sachant que AB est égal à 24. Donc si AB est égal à 24, il manque. On veut calculer CH. Donc, euh, pour calculer CH, regardez. Donc, pour calculer CH, on va d'abord calculer euh, AC. Donc, regardez. Donc, si AB égale à 24, parce qu'on a H, elle a H, et il y a 6,72. Il y a un H. Donc, si, donc si, si AB égale à 24, N'oublions pas que AB plus AC c'est 31. Donc on aura. Donc si AB. Ou bien on va écrire 2. A dit c'est la première question dit elle On a 2, on a petit A, on a petit B. Donc on va dire AB. AB plus AC est égal à 31. Donc si AB est égal à 24. Donc AC égale à 31 moins, moins AB. Donc AC égale à 31 moins 24. C'est-à-dire AC est égal à 7 cm. Donc maintenant, on aura ACC7. Donc si on a AC, donc on va calculer CH. Vous savez? Donc on va dire ACH triangle rectangle. D'après quoi D'après Pythagore. D'après le théorème de Pythagore, CH au carré égale à AC au carré moins AH au carré. AC au carré c'est quoi Donc AC au carré c'est euh, 7 au carré. AH au carré donc ah on a déjà ah on a calculé 6,72, virgule soixante au carré égal quarante neuf moins quarante virgule mille cinq quatre donc ch au carré égal à 3,8 416. Maintenant, CH, pour trouver CH, on a CH au carré égal à ce nombre-là. Pour trouver CH, on va appliquer la racine carrée. Donc, allez, est pour la racine carrée, il y a le nombre d'où CH égal à 1,96. Tout simplement, on passe au suivant. Donc euh, pour, ce qui, euh, pour ce qui concerne l'exercice 22, on a ABC un triangle isocèle rectangle en A, le voilà. AB égale à A, donc euh, A ici et A ici, parce que c'est isocèle. Donc AB est égal à AC. Euh, montrer que BC, on va montrer que BC est égal à a racine de 2. Donc euh, on va tiens, appliquer le théorème de Pythagore parce que c'est un triangle rectangle, bien sûr. Donc on va dire AB, ABC est un triangle rectangle en A. Donc, ou bien d'après d'après Pythagore, le théorème de Pythagore. On a, qu'est-ce qu'on a On a BC au carré égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, n'oublions pas que AB est égal à AC est égal à a. Donc, on va dire BC au carré égal à a au carré plus a au carré. Donc, bc au carré égale à 2a au carré. Donc, bc, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer bc. Donc, bc c'est quoi? C'est le nombre qui a le carré égale à 2a au carré. Donc, n'oubliez pas que ce nombre-là, si, si on enlève au carré, donc, il a, il a refait il A au carré. Il a donné A racine de 2 au carré. Et il a dit BC au carré. Donc, on va écrire Do BC égale à racine de 2 A. Ou bien A racine de 2. A racine de 2. On peut écrire car A racine de 2 au carré égale à quoi égal à BC au carré et a racine de 2 c'est un nombre positif donc la réatique BC au carré les roi 2a au carré le mot qui gagne a a racine de 2 au carré est égal à 2a au carré tout simplement donc c'est ça BC. c'est a racine de 2 pour ce qui concerne la deuxième question donc euh, pour ce qui concerne la deuxième question abc est un triangle Rectangle en A, toujours, voilà, BC, CA, AC, BC, 60, voilà, AC, B, 60, degrés. Montrer que AC est égal à A sur 2 et AB est égal à A ration de 3 sur 2. Donc, on va montrer que AC, hein, c'est A divisé par 2. Donc, euh, pourquoi d'abord on a ABC est un triangle rectangle en en A donc c'est quoi donc on aura le milieu regardez de l'hypoténuse je peux le nommer par exemple I je peux écrire par exemple soit donc la deuxième question soit I milieu de BC soit I milieu de BC. Donc, euh, ou bien ABC est un triangle rectangle en A. Donc, IA égale à IB égale à IC. Donc, il IA égale à IB égale à ici. Donc, faites attention ici. Regarde. Mais ici, euh, qu'est-ce qu'on a AC, c'est quoi A. Ah, IA est égale à IC, est égale à I, I, IA est égale à IB égale à IC, égale à la moitié, hum, est égale à la moitié de BC. Égale. Je peux dire encore, égal à BC sur 2. C'est-à-dire A sur 2. Donc, HEDA, ou HEDA, ou HEDA, qui est A sur 2. A divisé par 2. Voilà. Maintenant, on va montrer que AC aussi, il est égal à A sur 2. Donc, il suffit de montrer que AC est égal à IA ou bien, I, et IA ou bien IC. Donc, regardez. On a IA égal à IC. I a égale à ici. on a I a égale à ici. Donc, had le triangle. IAC est isocèle 1 hein, en i. Donc, AIC. est isocèle en i. Puisque c'est isocèle en i, donc aide l'angle. Mais had I, ils sont... Les angles à la base, ils ont la même mesure. Donc IAC est égal à euh, ACI. Donc IAC égal à ACI égale à 60 degrés. Et il reste ADI. Donc IA donc AIC. Donc on peut dire dans le triangle. AIC, on a... Qu'est-ce qu'on a On a AIC. AIC, c'est quoi C'est 180 moins IAC, hédo, IAC plus ACI. C'est-à-dire 180 moins 60 plus 60. Donc égal 180 moins 120 égal à 60 degrés. Donc on a le triangle AIC est un triangle hein, équilatéral. Donc AIC est équilatéral. Équilatéral. Donc tous les côtés sont de même mesure. Donc on aura IA égale à AC. Donc IA égale à AC. Bien sûr, c'est égal à IC, etc. Mais ce qui nous, nous intéresse, c'est AC. Donc je peux dire, bah, par exemple, donc AC égale à IA. Et n'oublions pas que IA, regardez, égale égal à IB, c'est égal à IC, c'est égal à A sur 2. Tout simplement. Donc AC, c'est A sur 2. Donc on a, on a calculé AC. Qu'est-ce qui reste? Il reste AB. Donc maintenant on a B A. Et quand on a AC, c'est A sur 2. On va calculer AB en utilisant le théorème de Pythagore. Donc euh, on a calculé AC. Donc c'est A sur 2. Et on a déjà BCC A. Maintenant, on va calculer AB. Donc on va dire ABC. ABC est un triangle. Est un triangle rectangle. Donc d'après Pythagore, le théorème de Pythagore on a AB au carré, c'est BC au carré moins AC au carré. C'est quoi BC au carré BC au carré, c'est A au carré. Et quoi AC au carré AC au carré, c'est A sur 2, le tout au carré. Donc A sur 2, le tout au carré égale à a au carré moins a au carré sur 4 donc euh, ici on peut par exemple les mettre au même nature donc je multiplie par 4 ici par 4 on aura euh, 3 4 a au carré moins a au carré on aura 3 sur 4 a au carré donc a b au carré donc regardez ici donc, AB au carré, c'est 3 sur 4A au carré. Donc, AB, c'est quoi C'est A racine de 3 sur 2. Pourquoi Parce que AB, had le nombre, a, a racine de 3 sur 2. Si on enlève au carré, donc il a A au carré, il a donné au carré, on va trouver sur 3 sur 4A au carré. Donc, on peut dire d'où AB égale. À a, ration de droit sur 2. on passe au suivant. regardez ici. Das, ça, ça, c'est un exercice très, très important euh, parce que ça vient de euh, c'est un exercice qui a la relation avec euh, quelque chose qu'on peut confronter dans notre vie quotidienne. يعني هذا راه واحد كنسميوه الماريو ياك دونك ها هو ملي قادو دخلو كاع البيت ولكن ملي بغا يطلعو ها هو عندو مشكل مع السقف ها هو شتوه مبغاش بغاش يوقف بوركوا دونك لو بروبليم ايسي قاليك بار بيتاغور اكسبليكي بوركوا سولا نو باس با دونك هذا ها هو عطاك هاد العرض ديالو هنا هنا هاد لي بيسور دونك هنا La largeur On a la longueur, c'est 2,55 mètres. Faites attention, on a le mètre, on a centimètres. Hein? Faites attention. Alors, on va convertir en même unité. On a le mètre aussi, 2,56. savez, on a 2,55 euh, mètres. On a, on a l'épaisseur de il y a 32 mètres.

هاد القطر ديال هاد المستطيل ديال هاد لو طونغل خاصو يكون اش خاصو يكون انفيريور ا 2.50 خاصو يكون قل من هذا باش باش يقدر يوقف راه الا ما كانش انفيريور لا دونك فينا هو وهذا دونك بحال الا عندك هكا رغاردي دونك اكسكوزي ميوا بحال الا عندك بحال هاك فوالا ها هو ملي كان الوقت ملي كان ملي كان ملي كان مازال ما وقفناه كندير هاك دونك هاد لا هادي 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 اون فا كالكولي هاد لا دياغونال الا حسبنا هادي خاصها تكون انفيريور هاد ها هاد لا هاد الارتفاع 2.56 هادي ولكن هادي باش غنحسبوها لاحظوا معايا هنا اشنو عطاونا 32 يا هادي العرض ديال هنا 32 سنتيمتر 0.32 mètre. Où on a dit 2,55 mètres donc à dîner c'est par pythagore à dîner tabouret abc par exemple voilà où est donc est la diagonale rayedi savez où est dit est de l'art d'y aller à 32 cm au taux d'y aller ou à 2,55 m savez donc qu'est ce qu'on va faire on va calculer baisser donc on va dire ABC est un triangle rectangle en A. Ouais, Donc ABC est un triangle rectangle en A. Donc, la diagonale BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Égal. A, b au carré. Donc 0,32 au carré. à à 2,55 au carré. égal Égale à quoi 0,32. Regarde, il calculatrice. Donc euh, 0,32 au carré. Hein, il y a au carré. Il y a 0,10 de euh, 24.

Euh, 1024 égale 6 virgule égale à 6 virgule 6049 6049 donc Adaoué baisser au carré regardez Adaoué BC au carré donc BC c'est quoi c'est la racine carré rendit la racine carré 6 virgule 6049 و الى حسبنا هاد لا كاري ديالها ها هو لا كاري هي 2.57 لاحظوا معايا شحال لقينا 2.57 2.57 القناة دي سي شحال عندنا 2.56 ها هو دونك لاحظوا معايا هنا ها. اذا كبر من هذا خاصو يكون انفيرير في الحقيقه حتى ايكال راه غادي يلقى فيه مشكل Il, can, ou il a un ouais, égal, il a le plafond. Donc, hasso, à il a un égal, il a inférieur à 2,56. Tout simplement, on passe au suivant. Pour ce qui concerne l'exercice 24, l'exercice 24, on considère la figure suivante où ABCD est un carré. Voilà, ABCD. Donc, il y a un carré, il en reste 8. Ça fait Il y en a 8. Il y en a 5. Il y en a 13, Donc, les points ECF sont-ils alignés Il y a des points où on m'a dit ECF. Il y en a 5 cm. Il y en a 5. Il y en a 8. Il y en a 8. Il y en a 13. Voici les points qui doivent être alignés. Regardez, les points. Ils doivent être alignés. Les points. Comment on va montrer ça à l'aide de, bien sûr, notre théorème toujours de Pythagore. Comment? D'abord, on va utiliser une propriété très très importante qu'on vous avez vu en première année. Ra, de la règle d'ailleurs, ra, rien c'est 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 mathématiques, surtout la géométrie, ou c'est c'est très important. Et là, La propriété si, en général, radin goulou a b c, il est plus AC égale à BC, mettez-les là-dedans. B et C trois points, là-dedans. A B plus AC égale à BC, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, A dit, signifie, c'est la même chose, signifie que A appartient à BC. Signifie que A appartient au segment. ou il y a qu'un A appartient au segment BC, alors qu'est-ce qu'on va dire On va dire que les points sont alignés. Tout simplement, savez, et si A, si A appartient à B, les points sont alignés, et si AB plus AC est égal à BC, alors ils sont alignés. Donc, euh, euh, regardez, nous avons un EC plus CF est égal à EF. Donc, on va montrer que EC plus CF à EF si on arrive c'est une propriété donc il a montré que EC plus CF est à EF c'est fini on a, on, a, on, a, on a montré que les points sont allés on va dire ça c'est une propriété il donc on va qu'est-ce qu'on va faire à l'aide de ces données là maintenant ça vous chèdra 8 c'est un triangle rectangle ça va être 8 Ouais, c'est un triangle rectangle. Donc on va calculer. Je quand dire. Et quoi encore? On va calculer EF. Donc on a un le triangle. Regardez, je vais utiliser les couleur. Radin Hbo. EC fait le triangle. On va CF fait le triangle. Et après, je vais calculer le euh, A. Le euh, EF dans le grand triangle. Ça fait le triangle triangle, Radin Ça fait. Et après, je vais comparer ce qu'on a dit tout à l'heure. Radin Karno et Donc, on va utiliser Pythagore trois fois. Radin Pythagore. Donc, Golo a fait comme Ed Shira Moufkin Tsbun Tuman Tsun, on va dire... Dans le triangle, c'est un triangle rectangle. Radit Goulteni E D E D e est un triangle rectangle. Radin Golo. Ah 1 Donc dans le triangle E D au E D est un triangle rectangle en D. Donc d'après Pythagore, radin directement, radin E C au carré égal. Ah six cube ah six cube. E D est un triangle rectangle en D. Alors, d'après le théorème de Pythagore, on a un rectangle à la base. La nouvelle idée, nous voyons. EC au carré, c'est quoi C'est ED au carré plus DC au -so carré. Je suis en train de de calculer EC. On a besoin de EC. EC au carré. Je ne vois pas EC au carré. 5 au carré. Je ne vois pas DC au carré. 8 au carré. On va chercher 5 au carré. 25. 60, 64 égale Donc 5 plus 4 ça fait 9. On a 2 plus 6 ça fait 8. Donc 89. Ça fait. Elle dit EC au carré. Ça y est. Donc EC au carré que tu oui. 89. ED au carré plus DC au carré. On met donc EC, donc Schrodinger ou EC, EC. Regardez 89, 89, racine carré Donc radatina 9,43, 9, donc Katatina 9,40, 43. On une valeur approchée, dire une valeur approchée. Adin Goulot, euh, quoi encore? Adingulo, CF. Donc Adin Goulot, BC. Dans le triangle BCBF, ou la BCF, il y a dit, donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire CF au carré égal BC au carré plus BF au carré.

on a EC. 9 43. Maintenant, radin, le triangle qui vient. E A e, C. Dans le triangle AEC. A E. A.E.F. A, e, a E F. On aura EF. E, f Au carré. Qu'est-ce qu'on aura? Le triangle AEF, c'est un triangle qui est rectangle en A. Donc 8 plus 5, ça fait 13. Hein, y a 13 au carré.

169 donc radine il y 169 égal on dit il la racine carrée 24,69 24,69 euh, je m'excuse donc na nesbo beta donc

610. Yeah. Donc EF égale 610. La valeur approchée. Racine carrée, c'est 24,69. 24,69. Donc regardez. 15,26. Donc 15,26. Ranzi du à 9, 9 quinze virgule vingt-six, quinze virgule vingt-six plus neuf virgule quarante-trois égal à vingt-quatre virgule soixante-neuf. La Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé Donc, on a trouvé je m'excuse. Donc il achina. Deba il achina. EC. Comme on a dit tout à l'heure. Il achinait EC. Ouzna il à CF. On va retrouver EF. Donc on EF. Donc Adri Ngulot. Donc EF EC plus CF égale à EF. Ça signifie quoi? Ça signifie que les points. E, C et F sont alignés. On passe au suivant. Donc, euh, pour ce qui concerne l'exercice 25, qu'est-ce qu'on a? On a ici, voici les hypothèses. EF égale à 4, Fg égale à 3. Et EFGH est un triangle euh, est un rectangle. Pardon. Calculer EG. Eg, vous allez constater que eg c'est l'hypoténuse du triangle efg, le triangle rectangle efg. Donc on va dire dans le triangle rectangle efg, on a d'après Pythagore D'après, toujours, il faut indiquer le théorème de Pythagore. D'après Pythagore, le théorème de Pythagore, on a on a Sg au carré égal à F au carré plus FG au carré égal à 4 au carré plus 3 au carré 16 plus 9 égal à 25. Donc on a EG au carré égal à 25. Donc EG égale à racine de 25, c'est-à-dire EG égale à 5. Donc on a trouvé EG. EG égale à 5. Voilà. Calculez l'air du triangle EFG. EFG est un triangle rectangle, donc on peut utiliser les côtés de l'angle la, droit, EF fois FG. Donc on va écrire l'air de... EFG. L'air du triangle EFG, c'est quoi C'est EF fois FG divisé par 2. EF fois FG, donc 4 fois 3, divisé par 2. Donc 12 sur 2, ça va donner 6 cm. Donc l'air de 6 cm. 4 fois 2 c'est 12, 12 c'est divisé par 2 c'est 6. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La euh, question B. Hmm? La deuxième question, 2B2, oh, B, 2, 2, B. En déduire BF. Comment on va calculer BF On va calculer l'air du rectangle du, rect, du triangle EFG d'une autre manière. On va dire l'air de EFG égale à Bf fois EG ou bien on va d'abord écrire c'est égal à 6 c'est ça ce qu'on a trouvé t -t tout à l'heure égale donc on va écrire c'est on va obtenir une autre équation donc BF fois EG donc Bf fois EG sur 2 égale à 6. Donc on va multiplier par 2 ici. Donc on aura BF fois EG égale à 12. Donc je multiplie ici par 12. 2 ici par 2. Donc on aura ça. Donc BF fois EG. EG c'est 5. Égale à 12. Donc BF égale à 12 sur 5. 12 sur 5, ça va donner 2,4. Tout simplement, c'est BF. BF est égal à 2,4. Calculer BG. Regardez, on veut calculer BG maintenant. Donc pour calculer BG. Donc pour calculer BG, qu'est-ce qu'on va faire donc, donc on va appliquer le théorème de Pythagore. Euh, sur le, le triangle BFG. Donc, on va dire BFG éteint. Donc, la question euh, 3. Donc, BFG éteint. Triangle, rectangle. Bien sûr, rectangle en B. D'après Pythagore, toujours. Le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on va dire On va dire que Bg au carré égale à fg au carré moins Bf au carré. Fg au carré, c'est quoi Donc, fg au carré. Donc, on a fg, c'est 3. 3 au carré. Moins Bf au carré.

76 égale donc euh, 9 moins 5,76 donc regardez 9 moins euh, 5,76 égale donc racine carrée je vais calculer la racine carrée de ce nombre 1,8 donc euh, je pardon donc on aura 3, d'abord 24. Donc, BG au carré d'où BG égal à 1,8. Maintenant, on passe à la quatrième question. La quatrième question, c'est quoi On a dans la question 4, on a deux petites questions. La première, c'est déterminer l'air du triangle. Donc, n'oublions pas que BG, c'est 1,8. Déterminer l'air du triangle BEF. Regardez, BEF, donc euh, l'air de BEF, c'est très facile. L'air de BEF, c'est quoi C'est B. Ah, je m'excuse, BEF. BEF, c'est quoi on va multiplier BF fois BE. Divisé par 2. BF fois BE. On va le diviser par 2. Mais c'est quoi BE? Regardez. BE. BE égale à EG moins BG. EG, on a calculé EG, c'est 2,4. Et on vient de calculer BG, c'est 1,8. Donc 2,4, regardez. 2,4 moins 1,8 égale à 0,6. Égale à 0,6. Donc on va remplacer l'air de BEF égale à BF. BF, on a déjà BF. C'est 2,4. On va multiplier 2,4 fois BE. C'est 0,6. Et on va diviser par 2. Donc euh, voilà, c'est ça ce qu'on va faire. De, de, 0,6 multiplié par 2,4 égale divisé par 2 égal à 0,72 égal à 0,72 bien sûr ici l'unité c'est le centimètre ici c'est le centimètre au carré parce que c'est l'air le hein? c'est euh, centimètre au carré quoi encore on déduit AB pour déduire AB comment on va déduire AB pour déduire AB qu'est-ce qu'on va faire donc euh, pour déduire AB regardez on a EB maintenant. On a l'air de... Je, pardon. L'air de BEF. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer e, l'air de EBF d'une autre manière. On va dire l'air de BEF. On a C0,72. Et l'air de BEF, en bas, on, on peut le calculer d'une autre manière. C'est AB fois EF. Donc, donc, on va écrire AB fois EF divisé par 2 égale à 0,72. On va multiplier par 2 deux, les, deux, les, deux, les deux membres. Donc, on a AB fois EF égale 0,72 fois 2 égale à 1,44. 1,44. On a EF. Qu'est-ce qu'on a EF, c'est quoi EF c 4. Donc Radin 0 AB égale à 1,44 divisé par EF. C'est quoi EF C'est 4. Donc égal donc 1,44 divisé par euh, 4, ça va donner 0,36. 0,36 cm. Tout simplement, on passe au suivant. Euh, ici on a euh, ABC, un carré de côté 5 cm. Regardez. Un carré de côté 5 cm. Hmm? Donc AD5, AD5, AD5. Calculez l'air du carré MNPQ. Donc euh, vous allez constater que pour calculer l'air de ce carré-là, on va calculer. Il suffit de calculer. Donc, ils ont la même. Et vous allez constater que M, c'est le milieu de A, B, et le milieu de. etc. etc. Vous savez Donc, pour calculer l'heure de celui-là, on va calculer euh, le, 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 la longueur de ce côté. On va le multiplier par, euh, par, euh, par lui-même. Donc, donc, MQ, par exemple, ou bien dans, euh, voilà, euh, dans le triangle, on va dire A. MQ, AMQ est un, est un triangle, quoi Rectangle. En A. Donc, d'après Pythagore, d'après Pythagore, on peut dire que MQ au carré égale à AM au carré plus plus AQ au carré. AM au carré, c'est 5 sur 2 au carré plus 5 sur 2 au carré. Donc 25 sur 4 plus 25 sur 4 égale à 50 sur 4. Donc MQ au carré est égal à 50 sur 4. Pour ce qui concerne l'exercice 27. On a ici un parallélogramme, Donc, calculer l'aire de ABCD. Donc, euh, l'aire de ABCD. Donc, on a ABC7. Et BC, c'est quoi? BC, regardez. bcc 5. Qu'est-ce qui manque? Il manque, hein? On appelle ça, AH, on l'appelle la hauteur. Indique, c'est la hauteur. C'est quoi l'air de ABCD? L'aire de ABCD égale à AH, la hauteur, fois euh, ce, ce, la longueur de ce côté-là, AB. Donc, euh, divisé par 2. Ça fait? Donc, euh, on va calculer AH. Donc, pour calculer AH, regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va considérer le triangle ADH. On a AD, c'est BC. Donc, n'oubliez pas que AD égale à BC parce que ce sont deux côtés euh, euh, qui sont opposés dans un parallélogramme. Donc, ADH, BC. Il manque DH pour... AH, donc, il y a deux côtés pour utiliser le théorème de Pythagore. DH. DH, c'est quoi Regardez. DH, DC moins CH. DH, DC, 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 B. Ou 7. Donc 7, -na 4. On c'est 4. Donc on a 3. Ça fait Donc on va dire que AD, on va écrire, on a AD égale à BC, égal à 5. Voilà. Et quoi encore? DH égale à DC qui est égal à AB, bien sûr. Égale à DC moins moins CH égal c'est quoi DC moins CH c'est 7 moins 4 égale à 3 donc voilà donc on va dire dans le triangle donc on va calculer un vous calculant Calculons AH. Il faut calculer AH. Calculons AH. On va dire dans le triangle, le triangle ADH, euh, le triangle rectangle, ou bien ADH est un triangle rectangle rectangle bien sûr en h d'après Pythagore toujours d'après Pythagore qu'est-ce qu'on aura on aura ad au carré égal à ah non parce que on, nous on, on veut H. AH, il vaut mieux de commencer par h AH, mais ah au carré c'est quoi c'est ad au carré moins dh au carré mais ad au carré on a vu que ad c'est 5 au carré Moins dh au carré, c'est 3 au carré. AH au carré égale à 25 moins 9 égale à 16. AH au carré égale à 16. Donc AH égale à 4. Donc, on peut calculer maintenant, on va dire, l'air de ABCD, c'est quoi? C'est 4. Multiplié par AB fois 7, divisé par 2. On peut simplifier par 2 ici. Donc euh, 4 fois 7, c'est ça. Donc 4 fois 7, euh, c'est 28, divisé par 4, c'est 14. Donc 14 cm au carré. Tout simplement. Maintenant, on passe au dernier exercice de cette page-là. Et MQ au carré, ce n'est que l'air de ce carré. Pourquoi Parce que vous savez tous que, que l'air d'un carré, c'est... Le carré de 100, ou bien, c'est le côté, la longueur du carré par, par lui-même. Donc, l'air de, on peut écrire, l'air de MNPQ. L'air de MNPQ, c'est quoi C'est MQ fois MQ, c'est-à-dire MQ au carré. C'est quoi MQ au carré C'est 50 sur 4. Tout simplement, on passe au suivant. Donc, euh, pour ce qui concerne l'exercice 27, euh, ABCT d'un parallélogramme. AB égale à 7. Donc voilà AB. Et BC5. CHC4. Donc C4C euh, CHC4. calculer l'air de ABCD. Donc l'air de ABCD, c'est quoi d'abord La règle, c'est AH fois AB ou bien fois DC. C'est pareil. AH fois DC ou bien AB. Donc euh, la hauteur fois ce côté-là, la longueur de ce côté. Donc, euh, ce qui manque ici, c'est AH. Donc, on va calculer parce que DC, c'est AB. Donc pour calculer AH, on va appliquer le théorème du, de Pythagore sur le, le triangle ADH, le triangle rectangle. Donc on va dire euh, ADH est un triangle rectangle en H. Donc d'après Pythagore... D'après Pythagore, d'après Pythagore, qu'est-ce qu'on a On a AH euh, au carré égal à AD au carré moins DH au carré. Mais n'oublions pas qu'on va écrire on a on a AD égal à BC parce que c'est un euh, parallogramme les côtés opposés sont de même longueur, est égal à 5. DH, c'est quoi DH, aussi DC moins CH. Et DC, ce n'est que 7. 7 moins CH, c'est 4. 7 moins 4, égal à 3. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire on va euh, remplacer, donc on va dire alors, ou bien donc, AH au carré égale à AD au carré, c'est-à-dire 5 au carré, moins DH au carré, c'est 3 au carré, égale à 25 moins 9. AH au carré égale à 16. D'où AH égale à racine de 16. Égal à 4. AH égale à 4 cm. Tout simplement. Donc maintenant, l'air de, de notre parallélogramme, c'est quoi Ce n'est que AB fois AH. Donc euh, l'air de. L'aire de ABCD égale à quoi à AH. Fois AB ou bien fois DC, c'est pareil parce que AB c'est DC. Donc égal à 4 fois 7. Égal à 28 cm carrés. Tout simplement. On passe au dernier exercice.

ma l'air ou l'air l'air de le triangle. Donc regardez ce que je vais faire. Hadi, à ces de l'air diel a rendu à deux. L'air diel Hadi, donc de la partie, m'excuse. Donc l'air, l'air aller de la partie a rendu à deux. Ou l'air de la a

notation de parce que pour l'air donc c'est quoi d'abord on va parler de on va euh, euh, on aura besoin de l'air d'un euh, disque le missai de l'air d'un disque c'est quoi l'air d'un disque ou à des

Où est le rayon, Il y a le diamètre, mais que ça les Vous savez? Donc, Radin Julena, Radin Goulou. ici. Donc, l'air de celui-là plus l'air de celui-là. Donc, on va dire A2 plus A3. C'est quoi? A2 plus A3. Donc, il est géré là. A2, c'est quoi? C'est 1 demi, regardez bien. C'est... BNISMEL A2. On va A2. c'est la a a L'air c'est quoi C'est la moitié d'ILNA. C'est demi De quoi De l'air de C2. De de C2. Le disque. C'est le qui se l'air de C2. Ça fait 1,5 l'air de C2 moins P2. Au uh, minusbel A3, c'est la moitié de l'air de C3. L'air de C3, ouais. Le corps de chame, de, 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 de diamètre EG. Il a de diamètre EF moins 3 Regardez. Mais l'air de C2. n'a ou l'air d'yelède? Hède le disque. Les oies de diamètre EF. Ça fait? C'est quoi? C'est pi RK. Je connais ou R là. Ou la moitié d'yel EF. Donc, Radine Goulot, c'est 1 demi pi R ou EF sur 2. Donc, EF sur 2 au carré. Ah, ça fait moins b2 plus l'air 2 a2 b2 à 3 la même chose 1 demi pi fois fg au carré euh, fg sur 2 au carré moins B3 donc égal regardez bien ce que je vais faire donc radine isolée à 2 radine dire 1 demi et derrière tu as EF au carré sur 4 donc 1 demi fois donc pi Rangolo EF au carré sur 4 donc on me fois

et nous, a H. 1 sur 8, 1 sur 8, pi, E, F au carré. Renat a dit 1 sur 8, pi, F, G au carré. Et on relève l'aide, on a moins b2, moins b3. B2 et b3, on a l'air d'y aller, d'y aller, d'y aller. Regardez bien. Je vais factoriser par EF1 uh, sur 8. 1 sur 8pi. 1 sur 8pi, facteur de EF au carré, plus FG au carré. Moins, on aura dire B2 plus B3. Et là, EF au carré plus FG au carré. Et c'est un triangle rectangle. Donc, EF au carré plus EG au carré. Ah, je m'excuse, il y en a là, mais FG, c'est EG. Il y EG, 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 EG. Donc, EF plus EG au carré est égal à FG au carré. 1 sur 8 pi FG au carré. Moins B2 plus B3. Donc vous allez constater ici que quoi? FG, regardez. FG, il y a 1 sur 8, puis FG au carré. Moi, je dis, ai l'air de moi est indien. Donc, j il y a 1 demi, on reçoit 1, 1, 1 demi, FG. Euh, sur 4, il y a FG au carré sur 4, puis y a FG au carré sur 4. Donc, quand il y a FG. Sur 2 au carré. Moins B2 plus B3. Donc vous allez constater que headi Héda, c'est quoi C'est la moitié d'Yeled, ou un os d'Yeled, le disque. L'air d'Yeled, Donc l'air d'Yeled, nos, d'Yeled, la partie. Ou il a B2 plus B3 jusqu'à Tatina. TATINA, l'air d'EFG. Donc head Donc le débat égal à l'air de EFG. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va corriger les exercices de la page 119. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt